C'est pas évident. Oui, si s'il y a un point peut-être euh, qui peut être dégagé de la pratique euh, des drogues euh, ou de l'alcool euh, des médicaments dans certains cas, euh, c'est peut-être euh, la question de l'absence de la demande en fait. Euh, c'est plutôt euh, le fait qu'on les voit pas. Et qui ne demandent pas, ils ne viennent pas, et ils n'ont pas affaire aux psychanalystes, c'est très rare. Et donc quand on a affaire à eux, c'est plutôt dans un cadre particulier et dans un contexte particulier. Un contexte particulier qui fait que, d'un coup, il y a une demande. Mais c'est une demande de qui Ce n'est pas nécessairement une demande du sujet. Et d'ailleurs, il n'y a pas nécessairement un sujet. Euh. D'ailleurs, quand on regarde les statistiques dans les institutions qui concernent la moyenne d'âge des demandes, la moyenne d'âge des entrées dans le dispositif institutionnel, quand c'est un dispositif euh, d'hébergement en particulier, on est plutôt autour de la quarantaine. Et c'est plutôt rare d'avoir des demandes à 20 ans, entre 20 et 30 ans, c'est très rare. Et quand on a des demandes, quand on a des gens qui viennent nous voir, et qui sont institutionnalisés euh, entre 20 et 30 ans, euh, on est plutôt inquiet, et on se demande pourquoi. Et souvent, on a une grande inquiétude par rapport à l'état euh, du lien social, et même euh, l'état euh, physique de ces sujets. Et ce qui répond de ça, c'est euh, une situation psychique, tout à fait inquiétante, dramatique, bien plus qu'à la quarantaine ou après. Alors, ce qui est particulier, c'est que, avant l'épidémie du sida, euh, les sujets qui avaient plus de 40 ans, euh, en général, ils mouraient de la toxicomanie, ou bien de l'alcoolisme après avoir arrêté les drogues. Puis, il y a eu l'épidémie du sida et une grande médicalisation. Et du fait de la médicalisation de l'épidémie du sida, on a vu plus de ces sujets et ils sont restés vivants. Et on en a vu plus dans les institutions. Parce que la médecine est un discours qui fait lien social. Par conséquent, l'état des institutions est très différent après les années 80 d'avant. Aujourd'hui, on est dans des institutions très médicalisées, alors qu'avant, c'était des institutions... Plutôt euh, en rapport avec ce que Lacan appelait les utopies communautaires, avec les idéaux familialistes, euh, voilà, les, les institutions fondées par euh, des toxicomanes, des anciens toxicomanes, des familles de toxicomanes, avec une dimension euh, euh, communautaire au premier plan. Euh, Aujourd'hui, c'est une dimension institutionnelle plus. Euh, on pourrait dire euh, institutionnalisé euh, su, su, à partir de, du maître, euh, plus qu'à partir de l'assistance euh, et des liens sociaux horizontaux, c'est plus vertical. Bon, ça, c'est des points qu'on pourrait aborder dans un deuxième temps de savoir comment on construit une institution, sur quel modèle, puisqu'il y a aujourd'hui deux types d'institutions qui correspondent à ces modèles-là, des institutions un peu communautaires, et qui ont étaient réintégré par le discours du maître, on pourra essayer de comprendre pourquoi, et puis des institutions qui sont plus classiques, un petit peu plus verticales, qui sont organisées avec une hiérarchie, des fonctions différenciées, euh, et euh, qui correspondent à ce qu'une institution, classiquement, une institution euh, du maître, euh, est fondamentalement, c'est-à-dire fondée sur euh, le nom du père et sur un le discours universitaire aussi